attendez, on peut lancer un match? On peut lancer un match ou pas? On va regarder. Et t'as ton smartphone? Bien sûr, on va lancer un match. On va les défis, applaudissements. On t'a invité. Alors, attendez. Je relève le défi. Bon, et il va m'éclater parce qu'il a un deck incroyable. Mais non. Je joue à une seule main. Si tu veux. De toute façon, ça joue à une seule main. Attends, alors je vais lancer le match. Tu me dis quand t'es prêt. Ok, vas-y. Ok. Alors, est-ce qu'on peut regarder le match? Oui, on peut regarder le match. Il semblait que le premier match s'était terminé en 15 secondes, je crois, non? Ouais, non, mais ça y est, maintenant. Ouais, on va calculer. Alors, attention, c'est parti là. Attention, concentré. Commenter si vous voulez, tu peux commenter. Tu mets beaucoup d'émoticônes ou pas? Est-ce que tu mets beaucoup d'émoticônes? Je fais jamais, moi. S'il y avait l'émoticône bâtard, je la mettrais. Oh, j'ai la dernière carte, la meilleure carte qui est en dernier. Alors, ça, c'est pas de chance. Ah, ça, c'est important ou pas? Vraiment, toi, t'as un ordre précis de cartes que tu vas mettre sur le. Fais-le causer, ma gueule. Non, mais après, tu verras que dans chacun de tes decks, t'as des combos. Donc, après, tu peux avoir différents combos dans un même deck, tu vois, t'as pas qu'un seul combo à jouer. Moi j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de chance. Je rappelle, moi je suis en bas de l'écran. Oh, ouais. C'est sûr, il est content. Faut pas crier trop vite. Parce qu'il est très fort. Il l'a doublé. Ok. Oh non. Putain, il est fort. Il est fort. Il est très fort. Alors en fait, je joue un deck avec une seule carte que je miroir et que je clone. Donc c'est un peu pour rigoler, tu vois, mais c'est très fort aussi. C'est un deck à combien que tu joues, toi? Deux. C'est très rare de voir quelqu'un qui joue un deck à deux. Ouais. C'est vraiment pour l'humilier. Ça veut dire quoi pour... En moyenne, les cartes coûtent 2 d'élixir. D'accord. Sachant que... Donc c'est un jeu de rusher, quoi. Faut tout le temps mettre des cartes. Moyenne, quoi. Ouais. Là, il va doubler. Voilà, il va... Alors là, il va... Attendez. Là, il allez va... Il va en mettre combien? Il va en mettre combien, là? Et là, je vais essayer de coller. Allez, on y va! Ah, j'ai mal cloné, dommage. Bah, t'as mal cloné, il a pris la tour. Et t'es à 137, c'est mieux que tout à l'heure. Déjà, t'as survécu plus de 15 secondes. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Comme dit Rocky. Ah, le bélier là. Ouais, je vais lui laisser, fair play. Pour l'invitation. Bon, d'accord. Non, y'a pas de fair play, J'ai envie de revenir. Tu reviens avec plaisir, mais il faut respecter son adversaire jusqu'au bout. T'inquiète, moi je fais ça avec Marcus, à chaque fois je l'éclate. Bon, on fait un tour. Attention, vas-y. On tente le 3 couronnes ou le 2? Oh, c'est les trois. Attends, il tente le 3 couronnes là. Alors, le 3 couronnes, en fait, il va essayer de détruire les 3 tours. Ouais, c'est ça. Alors là, j'ai mal. Regardez là, il va faire une attaque de maître là. C'est qui les gros? Là, je la sens pas. Regarde ce qui arrive là. Ah, ça, on l'appelle le bus magique. Le bus magique, carrément. Et les méchants sont bus magiques. Là, hop là, on clone. Là, je royale. Un très bon jeu. Et là. Oh là là. Aïe. Et là, le 3. Enfin, le 3, les 3 couronnes. Oh non! Ça reclone. Oh là là! Olé! C'était bien joué. Franchement, t'as vu? Ouais. Trapa, revanche. Tu veux faire revanche? Est-ce que j'ai le même deck? Bah, tu fais ce que tu veux, moi je vais changer juste une carte. Ok, moi je m'amuse énormément. C'est sûr que je n'arrête pas d'être venu aujourd'hui. Genius, commente-moi ce match. Pourquoi moi? Je connais pas ce jeu. Mais tu commentes, essaye de commenter. Toi tu seras peut-être à l'ESWC, qui sait? Oui, pas pour que je croyais. Allez, attention, t'es prêt? Tu me dis quand t'es prêt, je lance le match. Je suis tout le temps prêt. Eh, c'est la classe quand même, il y a marqué dans notre clan, le clan Team Game One. Julien Tellouk contre Trapa YouTube. Moi je kiffe parce qu'on regarde ses vidéos sur YouTube, c'est pour ça. T'es prêt ou pas? C'est ton idole. C'est parti. Tu peux pas donner des bons conseils, apparemment. Apparemment ça marche pas. Hein. Non mais alors, on s'entraîne comme des malades à la rédac. Voilà. Attends, et parfois on a une descente aux enfers. Et tu vas nous dire si ça arrive fois, ou pas ça. Une fois, deux fois et voilà. Décale-toi Julien, je vois pas l'écran. Alors attention, vas-y, commence. Alors Julien Tellouk en bas en bleu, hein, Trapa. Trapa. On bouge. On l'attrapera pas, les jeux de mots sont là. Mais c'est quoi? T'as changé de deck là, Mais il était trop. Le deck, le tourbillon, la tornade du côté de Julien Tellouk. Hein. Tu veux pas venir pour la jouer? Je pense que cherche un commentateur pour le talent. Bah, tu le savais. Voilà, Trapa qui envoie les soldats avec une épée qui sont très bien faits, hein, les visiteurs. Ils sont là. Les visiteurs sont là. Jean Reno qui attaque, attention. Mont-Sarrazin, c'est bien joué, attention, Julien Tellouk qui se fait golgoriser par le Golgoth. Il se fait rouler la pierre.
Si voilà, typiquement, t'as envie de jouer plein de trucs, faut temporiser quoi. Ouais, c'est bien joué le bélier. Là, j'ai envie de tout faire, moi. Ouais, faut temporiser. Faut être doucement. Mais là, quand on a un commentateur comme ça, on a envie d'attaquer partout. Bien sûr, Trapa qui attaque des deux côtés. C'est bien joué. Sur tous les fronts. Il se fait fronter. Attention, le pigeon voyageur hein, qui se fait. Oh là, Spiro le dragon qui se fait. Qui attaque en rire. Je prends les références que j'ai. Ouais, mais t'as raison. Je vais les ressortir tous les jours. Attends, les gars. Y'a pas un Ryu là, un Ken? Attends, je vois là. La boule de feu, boule de feu, Hadouken, Hadouken, la part du dragon. Attention, attention. C'est Gon. C'est Gon, voilà, c'est Gon. Le génie d'Aladin qui va. Ah, le génie d'Aladin, il est là. Et la pierre où là? Attention du côté de Julien Téloux, oh, qui attaque. Oh, il y a le chevalier savant. Le tourbi Téloux, le tourbi Téloux, qui se fait tourbier. Le rondin, le penseur. Ah, bien joué. Qui est bien, qui est en bas. Est-ce qu'il y croit vraiment? Mais oui, j'y crois vraiment. Le strike, c'est bien joué. T'es à 1232 et 1133. Mais bien sûr, j'y crois vraiment. Allez, on y croit. Allez, la tour Julien. On va passer à 500 sur les deux. 900, 827. C'est bientôt fini la tour de Trapa. La Trapa, je domine là. Tes deux tours, elles sont à 1200, 600. Ouais, mais c'est fait exprès. Ah, c'est fait exprès. Il a 60 secondes restantes. Il attend le bonus. Est-ce qu'il va le time up? Il va gagner au time up, j'ai un Luke, c'est un four. Hein. Il s'en fout, peu importe la manière, tant qu'il gagne, c'est sa vie. C'est son mode de vie. Qu'est-ce qu'il fait là? Attention, là. Le tourbi Trapa. Oh là là, comment ça allait? Le tourbi Trapa, Trapa tornade. Comment il a changé la tendance là? Attends, c'est bien joué l'aigle, encore l'aigle d'argent. C'est bien joué l'aigle. Il fait peur. La tour, le Trapa qui va exploser. Non, c'est bien joué encore une fois. J'ai un tour qui revient bien. Le tournoi termine dans 5 minutes. Pour ceux qui participent au tournoi, on va voir le gagnant à la fin. 30 secondes, un sage au time-up. Attention. Au time-up. Qui va gagner au time-up? Je pense que je suis un Télou qui est bien parti. Il est en avance sur la tour. C'est chaud. Là, on est en train. L'été sera chaud. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, là. Les morts, les squelettes qui reviennent du sol. Putain, c'est pas possible. Combat dans 10. 9! Là, il y aura 8, prolongation. Joue leur jeu. prolongation. Prolongation. La mort subite, attention. Mort subite, c'est bien joué. Il a tenté. J'ai tenté de l'autre côté là, mais j'aurais pas dû. Temps extra, dragon feu qui attaque. C'est bien toi, la tornade d'aspiration. Ah, c'est un beau match. Attaque! Allez, à l'attaque, attention. Le rondin dans la tour. Il se fait tuer juste avant la tour, mais qui veut pas mourir, c'est pas possible. Trapa, allez, on y va. On y va. C'est YouTube contre la télé. Magnifique. Quel match. Voilà, c'est ça Clash Royale. C'est de la tension. C'est pour ça qu'on adore ce jeu. C'est sur la dernière année, c'est l'un des meilleurs jeux qui existent. Je vous le dis sincèrement, vous avez beau tourner, virer, il y a les jeux PS4, Switch, Xbox One, PC. VR. Je joue à celui-là. À vous, t'es content. Ouais. Ah oui, c'est un beau match. C'est un beau match. Je vais le partager, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Bon, on rappelle quand même Trapa. ESWC Summer, c'est à Bordeaux les 1er et 2 juillet avec notamment des matchs de Clash Royale bien entendu, il y a 5 000 € pour les 4 premiers si j'ai bien noté, donc les 4 premiers du tournoi ils se partagent 5 000 €, le premier je sais pas mais il doit prendre le gros cash prize, il y a du Street Fighter 5, toi t'y vas peut-être si t'es qualifié, et il y a aussi du Cross Maga, moi je connaissais pas du tout, tu connais toi ou pas ce jeu? C'est quoi ça? Non, il connaît pas. Ok. En tout cas, c'est à la compétition. On va regarder notre classement de Clash La Team. On en fera énormément la saison prochaine. Mais le gagnant, normalement, c'est Chief Hassine. Là, pour l'instant, il est devant. Ça peut jouer à la dernière minute quand même, non? Ouais. 290 pour Prince Hoynes. Lui, VVL, à mon avis, il est distancé. On rappelle à chaque fois, il gagne environ 30 trophées. Là, on va voir à peu près ce match. Ça joue entre Wallstark et justement Chief Hassine, qui a priori fait partie de Tunisia Esports, c'est-à-dire la Tunisie. Est-ce qu'elle est représentée à Clash Royale sur la scène internationale? Ouais, t'as des joueurs d'origine tunisienne, mais je crois pas qu'il y en ait qui viennent directement de Tunisie. Qui viennent carrément à Bordeaux de Tunisie? Ouais, il pourrait. En fait, si on se qualifie et qu'on a les moyens d'aller à Bordeaux pour le SWC Summer, là, à ce moment-là, on peut essayer de tenter le coup et tout ça, mais c'est, bien sûr qu'il faut se déplacer. Quelle nation a gagné le SWC la dernière fois en octobre, enfin, c'était un Néerlandais qui a gagné. Néerlandais. Ils sont forts, ils ont d'ailleurs qu'à 17 ans. D'un point de vue général, les meilleurs joueurs du monde en termes de nation, c'est lesquels?
Franchement, la France sont forts. C'est vrai. Ouais, on est bien. C'est le FIFA du portable. Tu fais remonter le niveau, en fait, Julien. Ah non, moi, je suis en bas. Mais ouais. Vraiment, les meilleurs joueurs français, c'est lesquels? Franchement, en France, ouais, c'est... T'as du lourd, t'as Zélis, Nemsmc, des gros noms, quoi. Ouais, ça, c'est les potes. Tous les potes, sinon... T'étais là, la Dreamhack, ouais. J'ai vu un gamin de 8 ans qui défonçait oui, tout, et il était jusqu'en ouais, demi-finale. Ça. Ouais, il joue beaucoup, les gamins, aussi. Et moi, je joue avec mon petit cousin, aussi, il a 9 ans, et il m'éclate, et il m'explique des trucs. Il fait trapa, il a dit qu'il fallait compter l'élixir sur la carte et aussi chez soi, alors en calcul, ouais, machin. Tout ça. C'est technique, hein, parce que quand t'es pas à fond dedans, tu te réalises pas, tu dis c'est un jeu bidon comme tous les autres. Non, ouais, non, c'est pas un jeu bidon, c'est pas un jeu bidon. Moi, c'est simple, alors, moi je vous fais une confidence. J'étais un fou de Hearthstone, on adorait Hearthstone à la rédac, on jouait énormément à Hearthstone, et depuis que Clash Royale est sorti, on a arrêté Hearthstone et on fait que du Clash Royale. Avant aussi, je jouais à Clash of Clans. Voilà. Et c'est plus rapide. C'est pas très fun. Oh, enfin, c'est pas... passer devant. On va prendre des questions téléspectateurs. On a 45 secondes et a priori. Attendez, remettez-moi le score. Si le deuxième gagne, il gagne. Ah, ouais. Si le deuxième gagne, c'est bon. Alors là, on va suivre justement. Non, Tunisie on va suivre. Chef Hassine, Tunisie Sport. Et c'est les Anas.